Salut la famille, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo concernant franchement nos soeurs et nos parents et nos mères qui rêvent d'avoir la peau claire. La peau claire comme une blanche. Franchement, je suis dépassé de voir nos soeurs, de voir nos mères, de voir nos cousines, de voir nos tantes, de voir nos petites soeurs. En train de se changer la peau. Pour quelle cause? Pour quelle cause? Même si tu es noir, Dieu, c'est Dieu qui a fait que aujourd'hui tu es sorti noir dans le ventre de ta mère. Mais c'est pas pourquoi. Il y a des gens, eux ne veulent pas se voir noir. C'est quand lui chez lui, tu es clair, tu changes ta peau, tu deviens clair que tu es belle. Non, c'est pas ça. Franchement, regardons cette vidéo. Pour mieux comprendre de quoi je parle. Moi, je suis ma mère. Je suis là. 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 Je Bon, vous avez vu et vous voyez toujours la vidéo en train de circuler près de moi. Ça fait vraiment pitié de voir nos sœurs. Qui a déjà vu un blanc ou une blanche qui dit veut devenir noir ou ça? Dans la vie, quand tu es noir, il faut être fier d'être noir. Parce que Dieu nous a rendus noirs et nous a donné la peau noire. C'est parce que nos os sont durs. Ce qui nous mange, ce qui nous consomme, là, blanc ne peut pas consommer. Il y a des nourritures que nous-mêmes, on leur montre là, ils ne peuvent pas manger. Dieu nous a créés comme ça. Mais à quoi c'est aller changer ta peau? C'est à cause de... Parce que si je change ma peau, les hommes vont m'aimer ou quoi? Pourquoi vous faites ça? Mes soeurs, pourquoi vous faites ça? Regarde comment on met patte là sur toi. Quand on finit de mettre la patte sur toi, dans la vidéo, la femme a dit quoi? Quand on met tout ça là sur toi, tu attends 2 heures du temps. 2 heures du temps et on met l'eau sur toi. Un peu l'eau chaude, quoi. C'est pas l'eau tiède. Un peu l'eau chaude. Et on met sur toi. Et quand on met sur toi, ça quitte sur toi. On frotte ça à la peau. Tu frottes un peu à la main. Quand tu frottes à la main, et la peau quitte. Et maintenant, tu vois. Bon, imagine-toi. Tu es marié, je t'ai connu noir. Et un coup comme ça, soudain, où tu dis tu voyages. Et du coup, il vient à ton arrivée, il voit que ce n'est pas toi. Tu as changé. Mais quand tu as dit c'est toi, là, il te dit non, ce n'est pas toi. Vous voyez, c'est des trucs qui ne sont pas bons. Parce que ça, là, il y a toujours les conséquences. Tout ça, là, c'est la base des acides. Acide, on met dans acide. Vous connaissez acide. C'est acide, tu es là. Produit que vous voyez, la pâte, là, c'est acide, tu es dedans. Parce que c'est acide, tu enlèves la peau de l'homme. Mais quand tu vas dire ça à une femme, zéro, elle ne va rien te comprendre. Elle, c'est qui tu lui passes dans la tête, là, c'est ce qu'elle veut faire. Mais une fois qu'elle voit qu'elle a échoué, là, c'est là, mais elle va dire, ah si, elle savait. Ce n'est pas gentil de voir nos soeurs en train de se tuer. Pour qui? À cause des hommes. Ma chérie, tu es noire. Tu es née noire. Il faut être fier de toi. Il faut être fier. Tu es noire. Dis-toi que Dieu t'a programmé un bon mari. De nos jours maintenant, ce n'est pas les jolies filles. Chaque vendredi, on dit c'est elle qui se marie. Non. Chaque week-end, c'est les vilaines filles seulement. Là. Les filles noires, les terres noires, les vilaines filles. C'est elle qui se marie avec un homme. Elle se marie avec un homme. Elle se marie avec un homme. Mais les jolies filles qui enlèvent leur peau, qui changent leur peau comme caméléon. Les jolies filles qui sont jolies, qui se maquillent matin, midi, soir. Elles se maquillent même comme ça. Chaque jour, sans maquillage, elles ne peuvent pas sortir. Ceux-là, les filles comme cela, pour les voir dans le foyer, là, c'est dur. Parce que quoi? Nous, les hommes, on a une idée, c'est quoi? Ah, c'est là. Elle, dame, elle est jolie, là, c'est que je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul à marcher avec elle. C'est que si elle est dans mon foyer, là, ou si elle est avec moi, soit... Il y a un, tu vas payer, transfert d'unité. Il y a un, tu as chargé le téléphone. Il y a un, tu vas payer petit déjeuner.
Il y a un encore qui va payer ses habits. Un autre encore qui va payer autre chose. C'est ça, nous, on se met dans la tête. Mais quand tu n'es pas trop ça là, nous, on peut te marier facilement. On sait qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui aiment ça. Vous comprenez? Donc, arrêtez de charger votre peau. Ça ne sert à rien. C'est quand tu changes ta peau, même on te voit jolie là. C'est là que tu as beaucoup de gars. Et puis, c'est là aussi ta vie est menacée. Parce que là, on ne va plus te prendre au sérieux. Jamais. Garçon, on n'aime pas ça. Garçon, on n'aime pas. Jolie, jolie là. On aime apprécier. Jolie là, c'est comme nous, on aime prendre ça pour jouer. Quand une femme est jolie là, c'est comme une boule ou un ballon sur le terrain. Chacun vient. Chacun joue, chacun joue, chacun fait la passe. C'est comme ça une femme. Quand tu es jolie, juste quand tu te prends comme tu dépasses Olivia Yassé là. C'est comme ça nous on te prend. Donc arrêtez de vous tuer pour rien. Tu fais ça là. Tu as fait au moins 5 ans, 6 ans. Tu as tombé malade ou soit blessure là. Blessure là va faire jusqu'à plaie là même. Parce que tes nerfs, tes veines, tout ça là. Tous les veines, tous les nerfs, tout ça là. Assis dans tes acatés. Donc arrêtez ça, il n'y a rien dedans. Changez la peau, il n'y a rien. Au moins si tu as ciré ton teint pour être, pour cirer ton teint, pour être bronzé, les trucs. Là au moins on peut accepter. Mais enlever ta peau comme cela. Ah! On te voit, moi matin on se réveille, on voit que tiens, tu es devenu clair. Mais où allons-nous à ça? Où parlons-nous à ça? Ceux qui vendent les produits comme ça, ayez pitié aussi de vos soeurs. Ce n'est pas pour de l'argent que vous allez faire comme ça. Maudia, quel oui. Vraiment, c'est décevant de voir nos soeurs en train de changer. Et demain, c'est, tu vas taper la poitrine pour dire ma mère. Si sa mère n'est plus en vie, elle va dire, ma mère était claire. Ou si son père ne vit plus, elle va dire, mon père était clair. On n'a pas connu son père, on n'a pas connu sa mère. Et on va croire. C'est quoi ça? C'est quel exemple vous donnez à vos petites soeurs ou à vos enfants? C'est quoi? Vous les laissez et puis vous les donnez quel conseil? Parce que si une fille t'a vu, c'était moi. Tu es devenu comme ça, elle va s'approcher vers toi pour dire, ah maman ou tati, pardon, faut me montrer. Moi aussi, je vais changer ma peau. Oh, ça là aussi, c'est malheur, tu es là. Tu vas l'amener là-bas. Tout ça là, elle aussi, elle va faire. S'il vous plaît, arrêtez ça. Ce n'est pas pour des gens, vous allez vous tuer. Ce n'est pas pour des garçons aussi. Jolie femme là. Jolie femme n'en voit pas beaucoup à la mairie. C'est des vilaines femmes là qui envoient toujours les garçons à la mairie là-bas. Et on les marie propre. Donc ça ne sert à rien de toujours changer votre peau. Restez. Comment Dieu t'a envoyé là, au monde là, tu es venu tourner ton film. Si ton film finit, c'est fini. Mais si tu es encore là-bas, arrête de mettre des idées dans la tête pour dire je vais changer ma peau. Ça ne sert à rien. Donc, j'ai vu la vidéo, j'étais un peu choqué là. Si tu es nouveau, ou tu es nouvelle et tu as pris ton temps à m'écouter, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, tu as aussi BGO, et encore tu peux t'abonner sur ma page Facebook, tu as aussi BGO, j'ai un TikTok et j'ai Instagram, vous pouvez me trouver là-bas au fur et à mesure et on va parler comme ça. Donc à chaque fois, je vais passer les directs comme ça et bon, on va juste on va toujours casser les papos. Donc, merci à vous. Ciao, ciao.